Ça va, Mike? Salut, Camille. Ah. C'est l'ange d'or, hein. Regarde, et puis je te porte sur tous les trucs que j'ai refusés, homme canon, homme panthère, frédambule. Et du côté du cinoche? Ah, le marasme. Il tourne plus que des conneries psychologiques, des histoires d'amour, des drames politiques. Heureusement qu'on a pris nos distances. Ah, le taulier m'a refilé sa note. 250 balles. C'est pas la déroute, mais si tu t'es pris d'un petit besoin pressant. Bonjour, messieurs. Bonjour, mon petit ange. Bonjour. Non, je peux donner un petit coup de téléphone? Oui, oui, vas-y. Vas-y, Jacques. C'est Michel Gaucher, un cascadeur. Alors? Est-ce que tu veux de la blanquette? Non, merci. Vraiment pas? Non, elle est bonne, mais j'en veux pas, merci. Pardon. Alors, est-ce que je pourrais parler à Michel Gaucher? Michel Gaucher? Là, il est aux toilettes. Il y a l'autre, l'impresario. Oui, très bien, vous passez. Hyacinthe! Ouais. C'est pour vous! Production de cinématographe. Quoi encore? Excusez-moi si je vous dérange. Soyez bref! Nous aurions beaucoup aimé, si par chance extraordinaire, M. Michel Gaucher était libre, lui proposer un contrat de 3 semaines au Nouveau-Mexique. Un contrat de 20 000 dollars. Combien dites-vous? 20 000 dollars. Ou 50 000 Deutsche Mark. À moins que M. Gaucher préfère du franc suisse. Alors écoutez, M. Paramount, en personne, lui transmet son amitié. Je compte sur vous. Merci beaucoup. La vieille barca, c'est drôlement envasé, là. Me ferait le coup du contrat à 20 000 $ pour une ardoise de 150 francs. Ils doivent être raides comme des piquets.